en direct de la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors nous on est à la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Alors je vais vous montrer parce que c'est très joli. Hop, on va par là. Regardez-moi ça. Bon alors on n'a pas de chance parce que c'est marée basse. Mais je vous montrerai quand ça sera marée haute. Alors là-bas c'est le phare de quoi? Bon, c'est un phare. Je connais plus le nom. Grobeil. Je ne sais plus le nom. On se renseigne pour la prochaine fois pour savoir quel est le phare. Alors là, Marie, elle sera haute qu'à 15h30 par là. Donc on ira faire un tour. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de monde. Oh, il y a un peu de monde, mais sans plus. Sans plus. Allez, on fait quelques pas. Je vous les emmène avec moi, les filles. Et les garçons. Et là-bas, c'est quoi? Là-bas, c'est la pointe de l'estuaire de la Gironde. Au fond, là-bas. C'est la pointe de l'estuaire de la Gironde. Ouais. Mais c'est pas mal, hein. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas trop de monde. Ah, c'est normal, il n'y a pas de plat, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est. Voilà. Donc, on aura l'occasion de vous refaire un autre film. Alors, je vais vous faire de gros coucou. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, oui, je vous aime. Ouais, coucou. Alors je vais vous faire des petits films comme ça pour vous faire découvrir un peu Royan, puisqu'on devait aller dans les Landes, mais malheureusement avec la Covid, eh ben, on ne peut pas. Oui, c'est donc, gens, ça, c'était pas conseillé d'aller là-bas. Voilà. Et là vous avez l'acrobranche. Alors ça c'est une activité qui a commencé toute petite. On a connu ça avec juste un fil tendu. Et puis maintenant, ouais, ben, voilà, ça s'est bien développé. Une ampleur phénoménale. C'est vrai que Acrobranche au bord de mer, comme ça, c'est sympa, parce qu'ils sont vraiment axés direct à la plage. Ouais, bah toi, tu l'as fait il y a 3 ans, là. Oui, je l'ai fait, oui. Là-haut. Voilà. Je l'ai fait avec Chloé et Léa. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Un petit film. Allez, à plus tard. Bonjour les filles. Alors, on est désolé, on est au port de la Cotinière, mais alors on est obligé de filmer de la voiture pour cause, il n'y a pas de place pour stationner et comment vous dire qu'il y a des gendarmes tous les coins de rue. Donc, et il n'y a évidemment pas de place pour les handicapés comme d'habitude. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire que port de la Cotinière, pour les handicapés, c'est raté. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus tard. Je vous ferai un montage. Au revoir. Oui, ça va descendre un peu. Allez, on va jusque là et on redescend. Et on remonte. Et on descend. Puis là, on a le bateau. Ils sont partis. Allez, montez, la petite bête. On se retrouve pour une petite vidéo en direct du Luna Park. C'est au Mat, à côté de la Palmyre, pas loin de Royan. Donc voilà. C'est un parc d'attractions géant. Il y a plein de choses. Voilà. Bonjour les filles. Bonjour les garçons. Voilà, c'est un parc d'attractions géant.
Attendez, là, j'ai mon camarade. Il y a différentes attractions, vous voyez. Le windsurf. Cinéma, le trailer. Le thriller. Allez, je vous attendais en effet un décor en différence. Le décor en vient au second fight. Là, on est devant le thriller, le cinéma, le thriller. Il est sympa celui-là. Là, il est très bien, sympa, ouais. Non, mais on voit pas la tête des gens. De quoi? Là, c'est le poulpe de le pirate des Caraïbes. Ouais. Avec le bateau. Il y a même le pirate masqué. Là ça tourne, hein. Là ça tourne vite. Hein. Ouais, ça tourne vite. Extase du jump. Là vous avez le palais du rire. On fait un tour de bateau. Et voilà. Et hop là. Coucou, en direct le petit plateau pour Béatrice pour son anniversaire. Elle est là. Sympa. Huître, langoustine et demi-homard. Vraiment très simple. Mais je suis très contente, on va tout manger. On dirait pas, hein, vu la tête que tu fais. Hein. Allez. Bonjour. Alors là, on est arrivé sur l'île d'Oléron. Et là, je vous filme le pont, mais alors d'un peu loin, hein, le pont. Parce qu'on peut pas trop s'arrêter sur le pont. Hein. Donc voilà, le pont de l'île d'Oléron. Et la vue que l'on a d'ici. Et en plus, ça sent l'huître. Ah, ça sent la moule et l'huître. Mmh. Bon, la moule pas fraîche, je veux le dire, mais bon. Oh, et on a une super vue à 360. Doucement. Doucement. C'est quoi là-bas? Je sais plus. Mais on va y aller faire un tour, comme ça on saura. C'est que de l'autre côté, il y a Saint-Trojan, la Cotinière. Voilà. Donc là, c'est une partie du pont. Alors si on passe de l'autre côté, ben, vous avez la même chose. Voilà, vous voyez aussi bien. Voilà. Alors là, on est devant le port de Royan. Pas mal de bateaux. Là, vous avez même les canards qui dorment. Ouais, voilà. Ils pionnent. Ici aussi. Sur le ponton. Voilà. Là, le port. Enfin, c'est une partie, hein, parce que là, il n'y a pas tout le port. Hein, c'est une partie. C'est une petite bateau. Il y a Béa qui contemple. Ouais. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et en face, il y a la grande roue. Bah, en face, il y a la grande roue là-bas, ouais. Alors, est-ce que tu as retrouvé le nom du phare? Non, j'ai pas cherché. Voilà, là c'est une partie du port. Voilà. Ah, c'est bien. Oh, ah, mais le bourdon. Mais casse-toi. Ah, je suis embêté par un bourdon. Et j'ai commencé la vidéo en plus. Hein. Ah. Voilà, il y avait un bourdon qui nous embêtait. Voilà, donc là c'est un bateau de croisière. Cap Cordou. Hein. Et j'ai trouvé le nom du phare que l'on cherchait. J'ai pas eu de difficulté puisqu'il est marqué là.
Bah, comment ça, j'ai triché? C'est simplement, voilà, j'ai profité du fait que ce soit marqué. Ouais, les filles, voilà. Tricher, c'est un tricheur. Voilà, donc une partie, notre partie oh, du port. Oh, il n'a pas coûté cher. Allez, une petite visite dans le parc. Alors, on a de très jolies choses. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment les parcs. C'est très joli. Il y a des agapantes. C'est très, très beau. Allez, je vous fais des bisous. À plus tard.